Alors bonjour à tous, aux derniers arrivants. Bienvenue dans ce nouveau Proxy Monday, une reprise des Proxy Monday en ce 8 novembre. Aujourd'hui, on est avec Oussem Zeri. Bonjour Oussem. Bonjour. Alors ce soir, Oussem va nous parler des pentesting et des CTF, avec en fin de présentation une petite séance de live coding. Et on finira avec du coup les questions-réponses. Je le rappelle pour le bien des Proxy Monday, pour le bon déroulement, on laisse les micros désactivés. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de discussion. Je les retransmettrai à Oussem. Et à la fin de la séance, vous pourrez réactiver vos micros pour poser vos questions directement à Oussem. Ok, ça marche. T'arrives à voir mon écran? Oui, moi je vois Ok, très bien ton écran, Oussem. très bien, on peut commencer. Eh bien, on commence. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce Proxy Monday. Donc le sujet d'aujourd'hui est sur les pentests et les CTF, ou ce qu'on appelle le capture the flag. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier déjà Proxiad de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation et partager mes connaissances avec vous. Et je voudrais dire aussi que Proxiad est en train de monter sa filiale cybersécurité, donc c'est une filiale qui va vous aider à assurer une sécurité optimale de vos systèmes d'information avec des experts en la matière. Nous proposons des consultants sur toutes les branches de la cybersécurité, que ce soit fonctionnelle ou technique. Nous avons aussi une expertise sur la conformité ISO 27001, puisqu'on est certifié ISO depuis des années. Et pas que ça, donc nos consultants peuvent intervenir sur pas mal de sujets. Notamment les tests d'intrusion, c'est enfin, le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Et aussi audit de configuration, gouvernance, analyse de risque, etc. Voilà, revenons à la présentation maintenant. Et comme je disais, ça concerne les tests d'intrusion et les CTF. Sachez qu'il y aura deux grandes parties dans la présentation. Une première partie purement théorique. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est un test d'intrusion, pourquoi on fait les tests d'intrusion, c'est quoi l'objectif principal de ces tests et aussi la méthodologie utilisée par les pentesteurs. Ensuite, on va passer à la partie CTF et on va voir ensemble c'est quoi un CTF, à quoi ça sert et les plateformes les plus connues qui offrent ce genre de compétition. Donc, voilà, la deuxième partie est purement technique, donc un live hacking. Et nous allons voir ensemble un exemple de CTF. Il s'agit d'une machine vulnérable et on va essayer d'avoir, entre parenthèses, les flags cachés en exploitant une série de vulnérabilités web et système. Les profils non techniques, concentrez-vous bien parce que c'est votre partie, je l'ai faite pour vous. Et voilà un petit message pour nos experts techniques. Ne vous ennuyez pas parce qu'on va bien s'amuser ensemble pendant la démonstration technique. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Donc, toutes les entreprises déjà possèdent un système d'information. Et en fonction de la taille et des services de chacune, une architecture différente est mise en place. Donc, certaines ils ont des centaines de serveurs et de postes de travail, d'autres beaucoup moins. Mais le point en commun entre elles, c'est l'utilisation des données numériques pour faire circuler l'information. Et depuis quelques années, le marché français ou mondial, de façon générale, a commencé à s'intéresser à la sécurité des systèmes d'information, tout en implémentant un tas d'éléments ou de procédures pour bien sécuriser son système d'information. Mais on l'entend souvent et on va l'entendre beaucoup sûrement dans le futur que même les plus grandes entreprises se font pirater. Et la question qui se pose, pourquoi? Avec les budgets énormes qu'ils investissent dans les meilleures solutions du marché, ils sont toujours pas sécurisés. Comment ça se fait qu'il y a toujours des failles? Je pense que la réponse est peut-être simple. On n'est jamais à l'abri d'une attaque informatique ou d'une zéro day. Malgré tous les contrôles mis en place, toutes les solutions de surveillance ou d'analyse de log de type SIEM ou de firewalling utilisés, une simple erreur humaine peut tout gâcher. C'est vrai, tout gâcher de façon que tout ce qu'on a investi dans la sécurité nous a pas protégé contre ces attaques. Et si vous voyez ma slide, vous allez vous dire la sécurité périmétrique, les procédures, la démarche sécurité basée sur les risques ne servent à rien et la solution pour éviter tout ça, c'est les tests d'intrusion. Eh bien non. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais on va dire la combinaison de tout ça va faire en sorte que notre récit est plus protégé et on est prêt à toutes sortes de menaces, que ce soit internes ou externes. Donc, la sécurité informatique de façon générale, c'est pas que des solutions de firewall
ou d'antivirus, où c'est pas que des procédures écrites, mais non appliquées. Et aussi, c'est pas que des tests d'intrusion. Enfin, en fait, il est très important d'avoir on va dire une vision 360 degrés de son SI avec une connaissance du risque pour pouvoir anticiper toute attaque. Et c'est là qu'on saisit ou qu'on voit l'importance des pentests, c'est d'anticiper les attaques réelles pour connaître ses propres faiblesses. Donc, c'est quoi un test d'intrusion? Un test d'intrusion, c'est une méthode d'évaluation de la sécurité déjà. Et ça consiste à simuler une attaque réelle pour trouver les vulnérabilités qu'un attaquant pourrait exploiter. Donc, le pentester va utiliser les mêmes outils, exactement les mêmes outils qu'un vrai hacker, pour découvrir en amont les faiblesses et proposer aussi un plan d'action ou plan de remédiation complet pour corriger ces dernières. Après, les résultats sont présentés de manière exhaustive dans un rapport destiné à la direction et aussi à un public plus technique. Donc, pour différencier un simple audit de configuration ou de sécurité de façon générale, un pentester va non seulement chercher les vulnérabilités dans les actifs ou les applications web, mais aussi mettre en place une stratégie d'exploitation pour montrer les risques derrière ces vulnérabilités. Son but n'est pas d'extraire des informations sensibles ou confidentielles, mais d'en montrer qu'en exploitant telle faille ou telle vulnérabilité, on arrive à avoir des informations sensibles ou même prendre le contrôle total du système d'information. En gros, pour faire simple, un pentest est là pour évaluer la sécurité globale des actifs ou des applications web en essayant de les hacker, entre parenthèses. Donc, on a vu de quoi il s'agit un pentest, mais la question qui se pose, qu'est-ce qui va apporter à une entreprise, c'est quoi l'objectif d'un pentest ou pourquoi il faut intégrer les pentests dans la démarche de sécurité du SI. Donc, en gros, un pentest a pour but d'identifier ensemble des faiblesses dans un SI ou une application web ou un software, mais aussi permet d'identifier les menaces auxquelles sont confrontés les systèmes d'information d'une organisation. Donc, ça permet de réduire aussi les dépenses d'une organisation en matière de sécurité informatique et améliorer ce qu'on appelle le ROSI ou le retour sur investissement en matière de sécurité. En identifiant et surtout en corrigeant l'ensemble des vulnérabilités ou des faiblesses. Il permet aussi d'aider à obtenir ou maintenir une certification de type, par exemple, ISO 27001. Il faut savoir que pour l'ISO, il est fortement recommandé de faire un plein test une fois par an, au minimum, sur l'ensemble d'architectures ou du parc informatique de l'entreprise. Autre chose, le pen test permet aussi de modifier ou mettre à niveau l'infra existante des logiciels, matériels ou même la conception du réseau avec un patch management, bien sûr. Et enfin aussi, ça permet d'évaluer l'efficacité des composants de sécurité au réseau tels que les pare-feux, les routeurs, les WAF pour Web Application Firewall. Donc voilà. Ah oui, autre chose très importante, les tests d'intrusion peuvent être également un moyen d'apprentissage pour les équipes internes qui vont comprendre les techniques utilisées par les hackers pour pénétrer les systèmes. Donc, à force de corriger les vulnérabilités et les erreurs de configuration relevées par le pentester, ils vont avoir une sorte de connaissance plus approfondie en termes de sécurité des systèmes d'information. Passons maintenant aux différents types de pentest. Donc, il faut savoir que la principale différence entre les trois types qui sont mentionnés dans la slide est la quantité d'informations partagées par le client avant la mission. Donc, on commence par les tests de pénétration en boîte blanche. Ça implique le partage d'informations complètes sur le réseau et le système avec le pentester, y compris le domaine et aussi d'informations d'authentification, comme par exemple un compte AD Active Directory ou un accès VPN au réseau, un compte utilisateur sur une application web. Le principal avantage de cette approche, c'est la possibilité de détecter un maximum de failles de sécurité, et ça permet aussi comment dirais-je, de gagner en termes de temps et réduire le coût global d'une mission de pentest.
Exact, enfin complètement le contraire pour le test d'impression en boîte noire. Aucune information n'est fournie au testeur, au pentester. Dans ce cas, le pentester suit l'approche qu'un attaquant ou quiconque peut avoir depuis l'accès initial jusqu'à la phase de l'exploitation. On va dire que ce scénario est considéré comme le plus authentique parce qu'il montre comment un hacker, sans aucune connaissance interne, pourrait cibler et compromettre une organisation. Et ça permet aussi de montrer aux clients quel type d'information un vrai hacker serait capable d'obtenir. Le dernier type, c'est le test d'intrusion en boîte grise, que seules des informations, on va dire, limitées sont partagées avec le pentester. Ça peut être juste une adresse IP ou une URL avec un compte invité sur l'application. Et l'avantage ici est de trouver une sorte de compromis entre l'authenticité et l'efficacité du test, puisque le pentester ne possède que quelques informations sur la cible. Et ça permet aussi de gagner du temps, en plus, éviter de passer beaucoup de temps sur la phase de reconnaissance qui reste, à mon avis personnel, l'étape la plus importante durant toutes les phases de test d'intrusion. Une bonne reconnaissance nous facilite énormément le travail d'exploitation par la suite. Donc en parlant de reconnaissance, on va passer justement à la méthodologie générale d'un test d'intrusion. Pour les différentes phases de pentest, enfin, les avis diffèrent d'un pentester à un autre. Par exemple, il y en a qui considèrent que la phase de scan fait partie de la reconnaissance. Il y en a d'autres qui le considèrent comme une phase complètement différente ou complètement différente. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de faciliter un peu pour que vous puissiez comprendre le principe de façon générale. Donc, du coup, j'ai divisé les phases en trois grandes étapes: pré-attaque phase, attaque phase et post-attaque phase. Donc, pour la première phase de pré-attaque, ça concerne tout ce qui est reconnaissance et scan de la cible. C'est là où on collecte le plus d'informations possible. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment la phase la plus importante dans un test d'intrusion. On dit souvent, enumeration is the key. L'énumération, c'est la clé. Plus on collecte d'informations sur l'application ou le serveur, plus on a une chance de réussir notre attaque. Ça diffère d'une cible à une autre, mais l'objectif principal reste le même, c'est de comprendre la logique de l'application ou du software et avoir le plus d'informations possible pour bien orienter son attaque. Techniquement parlant, on essaye par exemple d'avoir les ports ouverts, les applications installées dessus, les numéros de version, les répertoires et les fichiers existants. Une fois qu'on a collecté ces informations, on passe à la phase suivante, qui est la phase d'attaque, qui consiste à identifier l'ensemble des vulnérabilités, essayer de les exploiter en utilisant bien sûr des informations qu'on a collectées en amont. Une fois qu'on a identifié une ou plusieurs vulnérabilités et on les a exploitées dans la meilleure des cas par un RCE, donc Remote Code Execution, donc on a un shell sur la machine. Généralement, on va avoir un shell de type user. Donc, la prochaine étape, c'est d'élever nos privilèges pour avoir un compte root et avoir tous les droits sur la machine ou le domaine. Donc, après tout ça, on arrive à la dernière phase, qui est à la phase de post-attaque, donc, où on rédige le rapport détaillé avec chaque vulnérabilité, son impact et le plan de remédiation pour corriger cette dernière, sans oublier bien sûr d'effacer nos traces. Je vous donne un petit exemple. Si on a pentesté par exemple une application web et on a essayé plusieurs payloads d'injection de code XSS, il faut supprimer les commentaires qu'on a mis sous forme de script. OK, donc nous avons vu les types et la méthodologie de test d'intrusion, mais pour faire tout ça et devenir pentester, quels sont les prérequis nécessaires et les certifications les plus connues dans le marché qu'on peut passer pour faire ce travail de pentester. Avant tout, moi, je fais partie du groupe ou du mindset Think Outside the Box. C'est une partie essentielle de ce qu'on appelle le hacker mindset, ou la façon dont nous devons penser en tant que pentester pour résoudre des problèmes, on va dire, complexes. Donc, penser en dehors de la boîte signifie voir les choses en dehors des limites qui nous sont imposées.
C'est-à-dire que nous devons être capables de pivoter notre voilà, pivoter, c'est-à-dire notre rôle principal est de bypasser et contourner les contrôles. Et si on pense de la même façon que la personne qui a fait la conception, donc forcément nous allons finir par échouer. Donc il est vraiment primordial de développer son mindset pour devenir un bon pentester. Après, il y a certainement sûrement d'autres connaissances techniques, comme par exemple des connaissances sur les réseaux, sur les systèmes Linux et Windows, Active Directory, et au moins maîtriser un langage de programmation. Donc, pour tout cela, il existe pas mal de formations et de certifications, comme la CEH, par exemple. Bon, à mon avis, c'est la moins technique, mais ça reste quand même important parce que le cours, ça explique étape par étape le processus de pentesting et voilà aussi l'ensemble des outils utilisés par les vrais hackers, notamment avec des labs pour essayer tout ce qu'on a appris pendant la formation. L'examen de la CEH dure à peu près 4 heures et voilà, c'est une sorte de forme de QCM. La deuxième, c'est Quantia Pentest Plus. Elle englobe voilà, aussi toutes les phases de Pentest, mais aussi il y a une grande partie sur la gestion des vulnérabilités et même sur le rapport de correction ou de remédiation. L'examen, ça dure 3 heures et c'est aussi QCM. Et pour passer, enfin, pour réussir, il faut avoir un score de 75%. La dernière certification est la plus connue. Mais aussi, c'est ma préférée dans le monde du pentest, c'est l'OSCP, Offensive Security Certified Professional, de l'organisme Offensive Security, qui offre déjà plusieurs certifications qui sont très intéressantes en pentesting et cybersécurité. Donc, je pense pour vous présenter l'OSCP, il faut vraiment un proxy Monday à part, hein, seulement pour ça. Mais en gros, c'est une certification qui a pour objectif d'offrir un guide de A à Z pour ceux qui veulent entrer dans le monde du pentest avec un cours qui s'appelle le PWK ou Penetration Testing with Kali Linux, qui fait à peu près 1000 pages avec tous les prérequis nécessaires, tous les outils et techniques nécessaires pour faire du pentest. Mais pas que ça, avec un lab avec de plus de, je crois, 80 machines dans la nouvelle version, enfin 80 machines vulnérables à pentester. Ce lab, c'est sous forme d'un réseau d'entreprises avec un mini AD et des visées en VLAN. Bien évidemment, si on donne cette grande quantité d'informations et de labs pour s'entraîner, l'examen n'est pas du tout facile. Hein. Ce qui déjà il dure 24 heure et pour passer, il faut voilà pentester 5 machines et fournir un rapport complet à la fin. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails encore, mais si vous êtes intéressé, je peux faire un article ou même un proxy Monday rien que pour ça, pour expliquer en détail de quoi il s'agit, expliquer aussi le lab, faire un focus sur l'examen, voilà quel type de machine, parce que c'est réparti par points et c'est pas, elles sont pas tous du même niveau de difficulté. Et donc aussi, comment bien préparer et surtout réussir son SCP. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, faites-moi un retour, ça va être avec un grand plaisir. Donc, voilà, je le dis, je le répète et je le répète, pour ceux qui veulent entrer dans le monde des pentests, passer l'OSCP, c'est vraiment la meilleure. Ok, donc voilà, passons maintenant à la deuxième partie de la présentation qui est les CTF ou Capture the Flag. En plus des certifications, il y a d'autres moyens pour apprendre le hacking éthique. C'est les plateformes et les compétitions de type CTF. Une sorte d'apprentissage continu pour monter en compétences dans ce domaine, vu que vous savez, le monde numérique ne cesse pas d'évoluer. On a toujours des nouvelles technologies qui apparaissent, de nouvelles solutions qui se créent. Et pour rester à jour dans le monde du pentest, il faut absolument suivre cette évolution en essayant, par exemple, des compétitions de type CTF. C'est quoi un CTF? Il s'agit d'une compétition entre plusieurs hackers et la cible, soit un logiciel, une application web ou une machine virtuelle. Et l'objectif, c'est de trouver tous les flags cachés en premier avant les autres, bien évidemment. Un flag, ça peut prendre plusieurs formes, mais la plus typique, c'est une chaîne de code cachée soit dans un document, soit dans une image, ou soit dans un fichier texte. Et le plus gros avantage
de ces CTF, c'est que les techniques qu'on utilise dans ces parties, c'est presque les mêmes que celles qu'on utilise lorsqu'on travaille en tant que pentester. Les compétences qu'on apprend dans les compétitions de type capture the flag sont vraiment transférables aux tests d'intrusion, aux tests de pénétration, des applications locales ou des applications web ou de l'infra. Et dans ce genre de compétition, on peut trouver voilà, du reverse engineering, du web, de la stéganographie, de la crypto, plein d'autres technologies. Pour résumer, il s'agit juste des challenges de sécurité informatique dont l'objectif est de hacker la cible pour trouver les flags, si je peux me permettre de faire plus simple. OK. Donc, il existe, voilà, les plateformes, il existe pas mal de plateformes, plateformes qui proposent ce genre de challenge. Je vous en ai choisi quatre pour cette présentation qui sont retenues. Je pense que c'est le site le plus connu en France, mais personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, mais ça reste vraiment un site très, très intéressant parce qu'il comporte non seulement des challenges de type scripting, Stegano, réseau web, mais aussi des machines vulnérables qui, eux aussi, généralement comportent deux flags, un flag pour le user et un autre pour le root. Le deuxième site, c'est VinHub, qui fait partie de Offensive Security, c'est enfin, l'organisme qui fait l'OSCP. Et c'est principalement des box de difficultés différentes, ça va du facile au très compliqué. Mes machines préférées dans ce site, ce sont celles du Buffer Overflow. Ils sont vraiment très, très bien faits et une source d'apprentissage, mais vraiment très, très intéressant. Le troisième, c'est Hackbox. C'est mon préféré dans les trois parce que, en plus des challenges et des box, ils offrent pas mal de fonctionnalités comme les ProLabs, ce qu'on appelle les ProLabs. C'est des labs complets, que ce soit dans un environnement Linux ou Windows. Donc, il s'agit d'un réseau privé avec plusieurs machines et le but, c'est de pivoter dans l'ensemble du réseau pour avoir le plus de flags possible. Il y a aussi une fonctionnalité qui est très importante et très intéressante, c'est les Battlegrounds ou les compétitions live entre une Red Team qui a pour objectif de hacker les machines et de trouver les flags. Une blue team qui essaye de sécuriser les machines et empêcher la red team de trouver la vulnérabilité et avoir le flag. C'est vraiment, vraiment très, très fun. Je l'ai essayé deux fois. C'est vraiment très fun comme expérience. Mais les deux fois, j'étais dans la red team. Donc, c'était vraiment très, très amusant comme expérience. Donc, le quatrième site d'aujourd'hui, c'est TryHackMe. On va essayer de le parcourir ensemble pour découvrir l'ensemble de ces fonctionnalités. Du coup, je clique sur le lien. Et là, on atterrit sur le site TryHackMe. Donc voilà, on a le dashboard. On a voilà, le nombre de questions par semaine, les levels. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est cette partie-là que je trouve très intéressant, c'est sous forme de path. Donc, sous forme de path, qui va de voilà, junior pentester, pré-security, ça c'est vraiment la base de base. Donc, network fundamentals, les fondamentaux du réseau, les fondamentaux du web, les fondamentaux de Linux. Ils vous donnent vraiment les prérequis. C'est une sorte de OCP, mais en ligne. En plus, ça coûte pas très cher. Je crois que l'abonnement il est à 8 euros par mois. Et aussi, il y a pas mal d'autres paths plus avancés, par exemple celui-là. Le offensive pentesting avec pas mal de machines vulnérables. On a du l'Active Directory, on a du Windows, on a du Buffer Overflow. On a vraiment pas mal de ressources ou de sources d'apprentissage. Et ce qui est bien aussi, ils vous montrent, ils vous guident de A à Z, ils vous guident de zéro. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs ou d'aller ailleurs pour chercher de l'information. Ce n'est pas comme Hackbox. Hackbox, c'est plutôt pour les personnes qui ont quand même un tout petit peu d'expérience en pentesting. Mais TryHackMe, on peut commencer de zéro. Donc, il y a Offensive Pentesting, aussi il y a CONTIA, la certification que je vous en ai parlé durant la présentation. Il y a aussi CyberDefense, ça c'est pour les Blue Team, tous ceux qui travaillent dans un SOC ou pour renforcer la sécurité périmétrique ou dans le forensic, ou etc. Donc il y a pas mal de, voilà, pas mal de tutos, pas mal de ressources qui permettent, voilà, permettent de vous permettre de découvrir pas mal de choses. Et c'est pas tout.
Parce que si on voit ici, learn, practice, search, on trouve pas mal de machines donc, qui sont à part, machines vulnérables ou des. Enfin, c'est classé soit par CTF, soit par walkthrough. Walkthrough, c'est en gros, c'est une visite guidée, quoi. Donc, c'est un guide de A à Z, il faut faire comme ça, avec le cours associé, avec des exemples, et après, juste une partie pratique pour pratiquer ce qu'on a appris durant le cours. Les CTF, c'est CTF, comme je viens d'expliquer, enfin, c'est une machine vulnérable avec des flags, et c'est voilà, c'est à vous de trouver le flag. Enfin, un exemple de cours. Celui-là, c'est un cours sur Nmap. Un exemple de CTF, celui-là, c'était un de mes meilleurs, les meilleures compétitions au CTF que j'avais fait, parce que ça englobe, je vais vous montrer, ça englobe tout, il y a tout, du web, sur la même machine, enfin, sur la même, on va dire, path, mini path, on a le web. On a du web, on a enfin, du réseau, on a du scripting, on a du reverse engineering, on a du blue team. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant comme site. On a fait le tour, practice. Aussi, il me semble qu'ils ont rajouté un truc comme Hack the Box, comme des battlegrounds, mais je ne suis pas sûr que c'est déjà en ligne. Mais normalement, il y a un truc aussi sur voilà, les compétitions entre les pentesters et la Red Team. Donc voilà, en gros, le site TryAcme. J'espère que j'ai rien oublié. Après, il y a pas mal de fonctionnalités. Par exemple, les badges, une fois que enfin, qu'on fait les machines, on a pas mal de badges, on a pas mal de points aussi à gagner. On peut gagner des vouchers ou des réductions sur pas mal de certifications. Donc, voilà. OK, donc voilà, on va passer à la partie, on va dire, live hacking. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi un box qui s'appelle The Marketplace. Il s'agit d'une application web sous forme de market en ligne. Donc on va commencer tout d'abord par un scan de port. Et après, on va parcourir l'application. On va trouver une fonctionnalité qui nous permet de créer des tickets qui est vulnérable au XLSS. Du coup, on va essayer de récupérer les cookies d'un administrateur grâce à une option qui s'appelle reporter un admin. Une fois qu'on aura le cookie admin, donc on peut se connecter avec son compte et on aura la liste des utilisateurs dans l'application qui sont classés par ID. Cette fonctionnalité est déjà vulnérable à une injection SQL. On va essayer d'exploiter avec SQL Map, mais aussi on va le faire manuellement pour trouver un mot de passe SSH d'un utilisateur. Une fois qu'on est dans le box, on va essayer de switcher vers un autre utilisateur ou faire ce qu'on appelle l'élévation de privilège ou la privilege escalation grâce à TAR qui a le droit, qui a les droits sudo. Ce deuxième user qui a les droits sudo sur une certaine fonctionnalité appartient au groupe Docker. Ce qui signifie qu'on peut créer un nouveau conteneur en modifiant, enfin en montant le root file system. Donc sans plus tarder, on y va. Donc voilà, ça c'est la machine. Je, il reste que 24 minutes. Donc, OK, donc on va commencer, comme j'ai dit, on va commencer par un Nmap. Je prends la race IP. Et on va faire un map. Bon, SE pour les scripts par défaut, SV pour les versions ON pour enregistrer le résultat. On va l'appeler The Market. Attends, je vais juste monter un peu, zoomer un peu, comme ça vous voyez mieux. Et après, on met l'adresse IP. Ça prend un tout petit peu de temps. Donc, je l'ai déjà fait le scan. Du coup, je vais montrer directement les résultats de Market. Et on voit très bien qu'on a deux ports qui sont ouverts.
le port 22 qui est OpenSSH en version 7.6.1 s'il s'agit d'une machine Ubuntu, et le deuxième port qui est le port 80 avec Nginx en version 1.19.2. Bon, on va aller parcourir le site ensemble. Donc, on tape là-dedans SIP et on a le site de Marketplace avec voilà de options, enfin des laptops, Cactus. Donc, on va essayer d'abord de faire un login avec des credentials par défaut. Donc, admin, on va faire admin. On dit que user not found. On va faire admin list. Password. Donc c'est toujours comme ça, hein. Si on tombe sur une application comme ça où on essaie toujours les credentials les plus connus par défaut, mais on voit très bien qu'on a une possibilité de créer un compte sur l'application. Du coup, on va créer notre propre compte on va l'appeler Proxyad. Mot de passe, on va appeler Proxyad aussi, hein. C'est pas la meilleure, c'est le meilleur mot de passe, hein, que vous pouvez utiliser, mais c'est juste pour des raisons, voilà, c'est une démonstration, donc pas de souci. Ok, donc du coup on va se connecter avec notre compte Proxyad. Et on va parcourir l'application, on a home, on a new listing, un message, il y a pas mal de fonctionnalités. Ce qu'on peut faire, c'est jeter un œil sur le code source pour voir s'il y a des informations confidentielles ou quoi que ce soit. Déjà, on voit très bien que on a déjà deux utilisateurs sur le site qui sont Michel. Attends, je zoome un peu, et Jake. Déjà, on le voit directement par là. Et on a la new listing, c'est la possibilité d'ajouter voilà une nouvelle liste ou un nouveau item. Donc ici, il y a une fonctionnalité d'upload de fichiers, mais ils disent que c'est désactivé pour des raisons de sécurité. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de essayer une injection de type XLSS. On va l'appeler XLSS et là on va injecter un petit script basique d'injection XLSS 1R0 script, et on va voir si on reçoit un pop-up avec 0, c'est que l'application est vulnérable XLSS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre script pour récupérer le cookie d'un administrateur pour pouvoir se connecter à son compte. Donc on a appelé cookie et là on va taper script. En fait, c'est pour faire une HTTP request. Après, on va mettre l'URL http://. Je ne sais pas, il faut que je voie mon adresse IP parce qu'après on va recevoir le flag, enfin le cookie dans la machine. Je suis le 19.3.11. Donc 10.3.11. Donc sur le port, je vais choisir un port au hasard, on va dire 1500. Là, on est bon. Et là, on va récupérer le document.cookie. Et on ferme notre petit script. Sans oublier de lancer un netcat. Je vais rajouter pour écouter sur le port 1500, enfin 1500. NC, c'est un outil très connu. Donc, L, local, V, c'est pour la verbosité. N, c'est pas. Pour pas faire la résolution DNS, et P, c'est pour le port. Et on va faire submit query. Oh, regarde, on a bien reçu le cookie, mais il va pas nous servir à grand-chose parce que c'est notre cookie à nous. Donc on va pas l'utiliser. Bon, on va refaire le listening. Mais il y a une fonctionnalité qui est un peu entre parenthèses bizarre, report listing to admin. Donc, on va essayer cette fonctionnalité. On va essayer, on va recevoir
un différent cookie. Ici, je fais comme ça, report. Oups. Oui, j'écoute sur le port. Non, je refais cookie. Report Report. Et voilà, on a reçu le cookie qui est un peu différent du premier. Donc, oh non, non, pas du tout. Je pense que c'est le même. Je vais juste vérifier. C'est bien le même. Ok, on va refaire. Normalement, on doit recevoir le cookie d'administrateur en utilisant cette fonctionnalité. Non, là, oui. On reçoit toujours le même. Si on fait comme ça et on fait report listing to admin report. Et voilà, nous avons reçu le cookie d'administrateur normalement dans ce cas-là. Donc on va le copier. Copie. Et ce qu'on va faire, on va le mettre sur dans l'application pour accéder au compte administrateur. Donc inspecter le compte. Storage. On va changer le cookie par le cookie d'administrateur et on refresh. Il suffit juste de rafraîchir la page. Et maintenant, on a accès à l'administration panel. Et on a le premier flag web qui est caché sur l'administrateur, administration panel. Donc, on va le mettre directement le flag. Et voilà. Donc ça, c'est pour le premier flag. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer l'injection SQL parce que c'est classé par ID. Ce que j'ai fait ici, c'est juste taper une apostrophe après ID égale à 1. On a vu que cela renvoie une erreur SQL qui nous informe d'une erreur dans la syntaxe. Le fait qu'on a reçu un message d'erreur confirme l'existence d'une vulnérabilité d'injection SQL. On peut maintenant exploiter cette vulnérabilité et utiliser les messages d'erreur pour en savoir plus sur la structure de la base de données. Donc, la première chose à faire, c'est de renvoyer les données au navigateur sans afficher de message d'erreur. Donc, tout d'abord, nous allons essayer avec Union-Based SQL Injection, ou SQL Injection, afin de recevoir un résultat supplémentaire de notre choix. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire comme ça. Select. Un petit commentaire à la fin. Et ce qui nous dit que l'instruction a donné un message d'erreur qui nous informe que l'instruction Union Select a un nombre de colonnes différent que celui de la requête Select originale. Bon, on va essayer à nouveau mais en ajoutant une autre colonne parce que dans Union, enfin, les experts SQL, ils le savent, il faut que le nombre de colonnes de Select et le nombre de colonnes de Union, il faut que ça soit le même. Sinon, on n'aura pas les résultats. Donc, on va faire 2, toujours le même. 3, pareil. Et là, ça nous renvoie un résultat propre, le message d'erreur est disparu et les informations du user s'affichent. Mais on veut maintenant afficher nos données. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est les données existantes dans la base de données. L'ID est affichée parce qu'il prend le premier résultat retourné quelque part dans le code du site web et l'affiche. Et pour contourner ce problème, nous devons faire en sorte que la première requête, voilà, avant le Union Select, ne produise aucun résultat. Cela, donc on peut faire simplement par taper ici 0 parce que user 0 ça n'existe pas. Et là, on peut injecter ce qu'on veut dans la partie Union Select. Par exemple, si là je mets nul, ça prend user nul. Je mets 5. Normalement, ça prend la même valeur. Enfin, l'injection, notre injection, ça prend. Enfin, le champ user, ça prend tout ce qu'on injecte à la place dans la deuxième colonne là. Du coup, la démarche généralement pour une injection SQL,
Juste, je vais prendre mes notes. Donc, si on a une union-based injection SQL, ce qu'on regarde, c'est on commence par regarder la base de données qui est existante, le nom de la base de données, après les tables dans la base, et pour chaque table, on prend les colonnes, et après, pour chaque colonne, on prend le data. Donc, on commence par la base de données. Une fois qu'on a la base de données, on passe aux tables. Oups. Une fois qu'on a identifié l'ensemble des tables, on va prendre une table, voilà, au hasard, et après on va regarder les colonnes et la data qui existent dans la table. Donc, pour faire cela, pour la base de données, on va utiliser la fonction database. Et il nous dit que la base de données, elle s'appelle Marketplace. Donc, pas ici, on va noter ici qu'on a la base de données qui s'appelle Marketplace. Oui. Et du coup, pour avoir les informations présentes dans la table de la base de données Marketplace, il faut suivre une certaine méthodologie. Donc, comme je vous ai dit, on commence tout d'abord par lister toutes les tables, ensuite les colonnes, ensuite les données présentes dans chaque colonne. Et pour faire celui-là, on va utiliser la requête suivante. Juste, je vais taper la requête et après, je vous expliquerai la syntaxe. Okay. Donc, à la place de database. Juste, je tape la requête et après, je vous explique en détail que select table bon. Donc, ce que j'ai fait, tout d'abord, la méthode groupe concat récupère la colonne spécifique, dans notre cas, le table name, à partir de plusieurs lignes retournées et la place dans une chaîne séparée par des virgules. Ensuite, il y a la base de données Information Schema. Chaque utilisateur de la base de données y a accès et elle contient les informations de toutes les bases de données et les tables auxquelles un utilisateur a accès. Donc, dans cette requête particulière, nous sommes intéressés par la liste de toutes les tables de la base de données Marketplace, qui sont, dans ce cas-là, items, messages et users. Bon, c'est plus clair pour ceux qui connaissent le SQL, c'est moins clair pour l'autre. Mais j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. OK, donc on a la liste des tables qui sont items, messages et users. Donc on va commencer table par table pour récupérer les colonnes et la data. On va suivre la même logique pour les colonnes. On va commencer par la table user. Là, on va à la place de table, on va mettre colonne. Colonne. Ça, colonne. Et table name, c'est user. C'est users. Et du coup, on arrive à récupérer ID, username, password, business administrator. Ce qui nous intéresse ici, c'est les deux là. Donc, ce qu'on va faire, c'est récupérer ces deux là et les mettre ici. Donc, on va s'y séparer juste par deux points. Et là, on n'a plus besoin de ça. Donc, on a juste besoin de market. Et voilà, on a la liste. Juste, je vais rajouter un petit retour à la ligne. Voilà, donc on a la liste des utilisateurs, Michel, Jack, enfin, proxy ad, le compte que je viens de créer, système.
avec les hash des mots de passe. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de brute forcer les hash avec Jean-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 
Et comme il utilise un caractère générique étoile, et que backup.sh appartient à Michel, on peut exploiter ça pour pour avoir ou accorder un privilège à Michel. Donc, il y a un site très connu qui s'appelle GTF Obins, qui a pour objectif de montrer comment peut-on exploiter certaines binaires Linux, ou enfin Linux généralement, et effectuer une élévation de privilège. On va aller sur ce site-là, GTFObins, et on va taper tar. On a les droits sudo, oui. Et en gros, voilà, checkpoint, on va utiliser ces deux-là, ces deux options-là. Je vais faire vite, après je vous expliquerai. Ok, non, on est dans le même, on est dans le bon. Donc, hop, oups, non. Non, c'est touch. Hop, et touch. Je vous expliquerai ça. Donc, on va lancer notre script shell.sh. Ok, donc du coup, checkpoint, action et checkpoint, le numéro là. Donc, spécifie au programme qui sera exécuté lors du point de contrôle. Le point de contrôle, c'est le premier ligne, on l'a mis à 1. Et le deuxième, il va exécuter lorsque on atteint le point de contrôle, ce qu'on appelle les wildcard injection. Donc, ces deux options, 1 et exec shell.sh, sont fournies au programme tar en tant qu'option de ligne de commande. Il existe un article qui explique la notion de wildcard injection de façon vraiment très détaillée. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver. Ce qui explique que voilà, c'est hacking article. Normalement, c'est celui-là. Il vous explique que voilà, les wildcards, comment faire pour exploiter ça et effectuer une élévation de privilèges. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ça, donc, on va créer notre script. Message. Et on va normalement, on peut mettre un reverse shell qui va nous renvoyer un shell vers notre machine. Mais on va faire simple, parce qu'on a pas beaucoup de temps. On va juste exécuter cette commande bin bash. Donc on va donner les droits à ce shell. Et on va effectuer notre évaluation de privilège. Donc l'utilisateur, c'est Michel, et le script c'est backups.sh. Ah oui, il n'y a pas les permissions, donc on doit rajouter les permissions pour backup. Et si on refait ça, on aura l'utilisateur Michel. Si vous voyez bien, ça a changé, hein, ça a changé en Michel de GK Michel, parce que notre script a bien été exécuté. Donc c'est juste bin bash avec les droits Michel. Donc on est passé de Jake à Michel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élévation de privilèges horizontal. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de passer en route, parce qu'on n'a toujours pas les droits en route. Et si on voit très bien que Michel est membre du groupe Docker, donc on peut essayer d'exploiter Docker. Donc, tout d'abord, il faut voir quels Docker qui sont en cours d'exécution. Du coup, on va faire Docker image. Et voilà, ça semble bon car l'une des images qu'on a déjà identifiées sur le Docker est Alpine. Et Michel est également assez privilégié. Car il est déjà membre du groupe Docker. Donc, on va essayer un exploit d'élévation de privilèges sur Docker. Pareil, il y a exactement la même chose sur le même site. Si on revient ici, on tape Docker, on va trouver. On veut un shell sur Docker. On nous indique, voilà, il faut que ça soit root ou ça fait partie du Docker pour avoir un shell. Il nous montre la commande, je ne vais pas l'expliquer. Donc, juste, je vais. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais
enfin, avec deux options. Tout d'abord, on va juste monter la racine vers. Ah non. La machine est expirée. Il faut que je relance la machine encore une fois. Oh non, tu peux pas faire ça. Parce que j'ai créé un autre compte, j'ai pas utilisé mon compte. Donc il faut que je relance la machine. Donc ça va, on a le mot de passe. Je pense pas qu'il va changer. Donc, on va devoir attendre 1 minute. J'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. J'aurais dû utiliser mon compte parce que j'ai un compte premium et normalement pour les comptes premium c'est 2 heures. Mais juste voilà, ce compte-là, je l'ai créé juste pour des fins, pour la démonstration, quoi. Pas de problème, Oussem. De toute façon, je pense que tout le monde est en haleine pour voir la fin de ton petit live coding. Cool. Non, ça va, c'est que 30 secondes, il n'y a pas de souci. Pas de On problème. est presque vers la fin. Enfin, je ne vous ai pas montré le flag enfin, pour le user, mais on a déjà l'accès au flag parce qu'on a déjà 2 users sur la machine. Il reste que le dernier flag route. Midi Alexandre, on attend le flag. J'en Ça va j'en arriver, ça va arriver. profite. Alors j'en Non, ça profitais pour poser une question que Vincent avait posée dans les commentaires, arriver. enfin dans la discussion. Au tout début que tu es arrivé sur le système Market, tu as fait un D'accord. peu de brute force à la main pour tester quelques mots de passe. Et en fait, Oui, ce juste. test, sa question, c'était est-ce que les tests de login, tu les fais toujours à la main? Est-ce que tu as des Pas du tout, pas automatisations? du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste dans ce cas-là, et je sais très bien que ça ne va pas marcher. Je l'ai fait à main pour juste montrer la démarche, quoi. Mais d'habitude, on fait un brute force avec des outils spécifiques, soit avec Burp Suite, soit avec H4. Non, c'est pas H4, pardon. Soit avec voilà, des outils automatisés qui vont permettre de faire un brute force. Ok, très bien. Généralement, je le fais avec Burp Suite, mais ça, je l'ai fait à la main juste voilà, pour montrer un peu la démarche générique, comment on fait, nous, les pentesters, quand on tombe sur une plateforme ou sur un site avec un accès user mot de passe. Très bien. Mais là, je l'ai fait comme ça, c'est juste parce que je sais très bien que ça ne va pas marcher, le mot de passe est très complexe. Ça Du roule. coup, on a encore on a le deuxième, enfin, on a l'adresse IP. On va se connecter avec Jake. Oh, je crois qu'on va devoir refaire l'élévation de privilège horizontale. Yes, on va copier le mot de passe. Pas grave, on l'a fait, donc je vais faire vite fait. Peut-être je vais profiter pour faire avec la deuxième méthode. Oui, pourquoi pas. Oui. CD slash opt backups ls. Je vais commencer je connais pas la syntaxe, faut que je revienne à tar. Non, pas Docker. Tar. Conna, sudo. Je vais juste faire comme ça. Donc, touch. La deuxième. Ouais, pourquoi pas, je vais faire avec la deuxième méthode. Ça va être un peu plus long, mais c'est pas grave. Si tout le monde suit, ouais, c'est pas grave. Ok, donc là, sh, on va vers ref.sh. On va changer un peu. Et du coup, là, on va créer notre ref.sh. Ref.sh. Et on va récupérer un reverse shell de pentest monkey. Pentest monkey, reverse shell. Donc, on va aller reverse shell. Et on va prendre un netcat reverse shell. C'est mon préféré, celui-là. Donc, je suis de la team IPSEC. IPSEC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui fait des vidéos de hack the box, try me, enfin, plutôt hack the box. J'utilise toujours celui-là et ça marche très bien. Donc, on va changer le port, on va mettre 1600 et l'adresse IP. Voilà, je me rappelle. Je me rappelle plus de l'adresse IP. C'est 19.3.11. 10.9.3.11.
Et voilà. Donc, on va rajouter des droits. Ouais, juste, on va commencer. Juste, juste, on va commencer notre listener pour recevoir le réversiel. On a 18 600. Et là, on est bon sous deux. C'est quoi? Backup message. Et voilà, normalement, on a reçu notre shell. Voilà, on a reçu le shell avec Michel. Juste là, je vais voir s'il y a Python dans le box. Il y en a Python. Juste, ce que je vais faire, c'est juste upgrade le shell pour avoir la possibilité de faire d'appulation, de clear, tout ça. Donc, faire tabulation sur l'écran. Juste une dernière chose. Trois. Okay, on a 0, 38 quand même. Ça, c'est pour la taille. Parce que généralement, quand on reçoit un shell, c'est pas stable. 38, 190. Question 38. Voilà, donc on a dit qu'il appartient au groupe Docker. Donc on va essayer, on va prendre donc non, c'est pas grave, je connais la commande. Donc c'est un Docker, comme je vous ai expliqué, on va utiliser la Alpine pour avoir enfin, pour monter la racine vers Mount. Donc Docker la racine qui va utiliser Alpine. Et là, donc ce qu'on va faire ici, c'est pour avoir un shell. C'est juste ça suffit en fait. On va monter, on va avoir un shell. Allez, allez, allez. Voilà, on va aller sur MNT, route. Et on a notre flag route.txt. Route.txt. Sinon, on peut faire autrement. Un shell vraiment une vraie shell, on n'a pas besoin de juste monter donc slash mnt sh et là on va directement à route. Je vais faire pour avoir le ça c'est juste pour appeler le route. Voilà, on est route. Donc, on peut afficher le route.txt. On va prendre le flag, notre dernier flag. On va le mettre sur le site. Marketplace. Ah oui, on a oublié. C'est marrant, on fait le flag route avant le user. Juste cd slash cd user.txt. Les routes, on a tous les droits, donc on peut faire ce qu'on veut sur la machine. Donc voilà, on a fini le box. Pour résumer un peu, ça nous a permis de découvrir certaines vulnérabilités web du top 10 de l'OWASP, comme l'XCSS ou l'injection SQL. Le Privesc ou le Privilege Escalation nous a également permis de découvrir l'exploitation de Docker. Une mauvaise configuration de Docker et exploiter aussi la commande tar pour effectuer une élévation de privilèges. Je reviens sur la présentation pour une dernière chose, pour la conclusion. Donc voilà, pour conclure, nous avons vu l'importance des tests d'intrusion pour améliorer la sécurité d'un système d'information en général ou une application web, mais ce n'est pas suffisant. Donc il y a un tas d'éléments qui sont nécessaires pour avoir une sécurité optimale et diminuer les risques. Une chose très très importante aussi, c'est la phase de correction
Donc, faire un test d'intrusion, c'est pas mal, c'est bien, mais derrière, il faut corriger toutes les vulnérabilités détectées et ne pas juste se contenter d'améliorer la sécurité périmétrique. Vu que j'ai vu certains clients ignorent les corrections dans le code source de l'application et mettent en place des WAF ou des reverse proxy pour éviter ce genre de problème. C'est bien, c'est très bien de renforcer la sécurité périmétrique, mais ça ne résout pas le problème, vu qu'avec quelques techniques d'évasion, on peut toujours bypasser ces contrôles. Moi, ce que je conseille toujours les clients, nos clients, c'est surtout la partie web, surtout la partie web. C'est de suivre une approche de security by design avec un management de risque, une analyse statique et dynamique de code, et à la fin faire des tests d'intrusion et pourquoi pas un renforcement de l'architecture. Donc voilà, la présentation d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas fini avec les live hacking. On va essayer de faire une série avec un challenge tous les mois ou sinon il y aura aussi des articles cyber sur notre site proxia.com. Je vous remercie pour votre écoute. La parole est à Merci vous beaucoup, Antoine. maintenant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Je vais permettre de réactiver les micros aux personnes qui sont là. N'hésitez pas à réactiver votre micro et à poser vos questions à Oussem. Bonjour Oussem, Bonjour. je suis de Proxiad Lille, mais du coup, Proxiad fait du pentest pour des sociétés? Parce que enfin, moi, Oui. je suis en Oui. mission chez Decathlon et en fait, on fait faire du pentest à des D'accord. sociétés, je dirais, spécialisées en D'accord. pentest, mais je ne savais pas que D'accord. Proxiad le proposait. Hein. Proxia propose des missions de type pentest. On D'accord. est là, si voilà, s'il y a un besoin, on est toujours là. Prenez contact avec nous et on fait du pentest. On a des très bons retours d'expérience parmi les clients, enfin des clients qu'on a fait, on a fait des missions de pentest. Mais oui, aussi, enfin, Proxiat fait des pentests. Ok, je ne savais pas. Voilà. Merci pour la présentation, De c'est rien, toujours avec sympa en plaisir. live comme ça, Avec sympa. plaisir. Je vois s'il y a Merci. des questions. Oui. Oui, il y a Alexandre qui a désactivé son, enfin, réactivé son micro plutôt. Ok, Bonjour merci. Alexandre. Bonjour. Alors, merci à Oussem pour la présentation. Moi, j'avais une question pour un jeune qui débute. Alors, moi, D'accord. quel est le meilleur conseil pour avancer là-dessus qu'on pourrait lui donner et pour l'accompagner ou en tout cas, peut-être que aujourd'hui on parle beaucoup de cybersécurité parce que ça devient la mode. Et moi, je Exactement. rencontre beaucoup de jeunes qui veulent faire de la cybersécurité. Et du coup, est-ce que tu auras un conseil particulier Oui, j'en ai plein, si tu veux. Mais oui, enfin, en tout cas, je fais un retour d'expérience enfin, de moi. En tout cas, moi, j'adore faire ça. Donc, même le week-end, je participe à des challenges de type CTF. Donc, je suis vraiment un fan. Hein. Donc, il y en a qui adorent le football, regarder des films. Moi, je fais ça et enfin, je prends de plaisir à faire ça. C'est-à-dire, il faut aimer ce qu'on fait. Deux, il y a vraiment pas mal de ressources. Je viens de présenter quelques plateformes, mais il y en a pas mal de ressources qui permettent de monter en compétence sur ce domaine. Try Acme, c'est excellent pour les débutants, pour ceux qui veulent commencer, se lancer dans le pentesting. C'est un guide de A à Z, vraiment de A à Z. Hein. Il y a tout, du Windows, du Linux, du web, du reverse engineering, il y a tout. En plus, après, voilà, une fois qu'on a participé, qu'on s'est inscrit à Try Acme, Hackbox, on a commencé à. Voilà, avoir une certaine méthodologie ou un certain mindset hacking. Après, il y a pas mal de certifications aussi qui peuvent aider. Mais vraiment, il y a tout sur Internet. Renseignez-vous sur Internet. Il y a vraiment des ressources, mais énormes. Et surtout des sites qui proposent ça. Donc, TryAcme, pour ceux qui commencez par TryAcme, c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur. Merci. Et du coup, j'avais une question. Je suis désolé, mais j'ai une autre question et je profite un peu de. Et est-ce qu'il faut avoir des bases en développement finalement? C'est un plus, avoir des connaissances ou avoir juste une connaissance, enfin une maîtrise d'un seul langage de programmation ou un langage de scripting de type Bash ou Python, c'est un plus.
Mais voilà, pour un niveau voilà, junior, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'est vrai, en plus, après, avec les techniques avancées de voilà, d'évasion d'antivirus, pour faire son propre script, voilà, c'est toujours un plus d'avoir des compétences en scripting. Et si on La partie souhaite, web. ouais, et si Vas-y. on souhaite faire finalement de l'accompagnement, parce que là c'est de l'attaque, mais comment on se défend par rapport à ça? Ça, c'est voilà, c'est autre chose. Ça, ce qu'on appelle le blue teaming, c'est Ouais. voilà, c'est les contrôles qu'on applique, c'est voilà, c'est les mesures qu'on met en place, les règles firewall, comment on règle, qu'on sécurise bien. C'est l'autre partie du cybersécurité parce que c'est divisé en deux. T'as la blue team et t'as la red team. Nous, notre job, c'est de voilà, d'attaquer eux, la blue team, par exemple, comme un SOC. Un Security Operation Center qui travaille pour des SIEM, c'est analyser les logs, analyser les alertes, voilà, sécuriser. Pour eux, c'est sécuriser et corriger. Nous, c'est vraiment on attaque, quoi. Enfin, c'est Red Team, c'est voilà, pen tester, essayer de hacker l'application, le système ou le logiciel qui est en face. Et voilà, pour eux, c'est complètement l'inverse. C'est mettre en place des mesures de sécurité pour essayer de sécuriser ou renforcer de le plus possible notre sécurité périmétrique. Ok, c'est clair. Merci. Je t'en prie. Merci Alexandre. Est-ce qu'on d'autres personnes qui veulent prendre la parole? D'autres questions? Non. Ah, je vais Et, profiter, oui, du coup. je t'en prie, Alexandre. Je suis désolé, mais du coup, je crois Non, qu'il il n'y n'y a a pas de pas de questions. souci, Pas de souci, ça va être la dernière question, ça marche. Du coup, ce soir, c'était plutôt du coup le côté raid. C'est ça, c'était plutôt le côté raid. Est-ce qu'il y aura une présentation plutôt blue du Oui, coup il y aura une présentation. Il y aura une présentation du côté blue teaming. Comment faire pour devenir voilà, enfin pour intégrer une blue team, c'est quoi les compétences nécessaires, c'est quoi les certifications nécessaires, c'est quoi la méthodologie. Il y aura une présentation aussi sur ça. Bientôt. Cool. On a un teasing, on sait. Et Et on a tous hâte. ben Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup aux participants qui étaient présents ce soir. On était assez nombreux ce soir. Merci beaucoup, Oussem, pour cette présentation. Je avec pense plaisir. que c'était, enfin, je pense pas, c'était très intéressant. Et j'en suis le premier étonné. À très vite, du coup, pour cette suite de vidéos qui va concerner donc du coup les côtés red ou le côté blue. Et je donne rendez-vous du coup à tout le monde pour nous suivre. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Je vais vous remettre le lien dans la discussion. Hop. Et à dans 2 semaines pour le prochain Proxy Monday. Je vous remercie tous. Encore Merci à merci tous. Oussem et à bientôt. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Merci.